Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de le hack, le vrai Nabil Flix, qui va sortir une nouvelle vidéo inédite où Carla fait de la sorcellerie. Elle est limite marrante cette vidéo. Voilà, et après cette vidéo, je vous dirai mon avis. Et sinon, la story où Nabil Flix dit ses explications et où Carla Moro lui répond sera sur la chaîne Actu YTB2, la chaîne principale actuellement. Donc, le lien sera dans le petit i au-dessus de la vidéo, mais aussi dans la description, il y aura le lien dans le commentaire épinglé, dans le chat, pour ceux qui regarderont la première diffusion en live. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. De sorcellerie, notamment envers Maeva, qui serait ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que t'as émis... Jamais, en aucun cas, j'ai souhaité du mal, et encore moins à ma meilleure T'as amie. jamais souhaité de mal à Jamais, aucun... jamais. Le problème, c'est que j'ai été contrainte, par quelques notes qu'elle me soutirait, de devoir des fois dire, ah non, mais il faut faire ça, parce que sinon, tu vas pas arriver à ce que tu veux. J'ai dit, mais moi, je veux plus arriver à quoi Donc que ce elle vous soit. faisait dire des choses, et là elle vous fait faire ce genre de vidéo-là? Non, moi, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Moi, elle me fait faire des notes comme quoi elle prouve que c'est bel et bien moi qui veux ça et pas elle. Mais en me dictant et en me disant, mais il va falloir que tu formules ça de cette manière, parce que si tu veux. Il faut qu'il y en ait un qui soit fou de sexe par rapport à moi. Il y a une envie terriblement de me faire. Bon, ça, c'est ces deux-là. Oui. Donc là, il reste un pour ça, pour le bloquer. Oui, par la pensée. Bloque-le par la pensée. Par cette bite représentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucun. De sorcellerie, notamment envers Maeva, qui serait ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que t'as émis... Jamais, en aucun cas, encore moi, ma meilleure affaire, mais par rapport à moi, il y a une envie terrible. Aucune pensée sexuelle, ni aucune. Par cette bite représentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucune pensée sexuelle, ni aucune envie de bander, d'éjaculer, de te branler ou de te toucher par aucune autre femme que moi. Ça craint. Tiens, on n'entend pas. On n'entend pas le reste. Effectivement, ça craint beaucoup. Comme j'ai dit, bah, les explications de Nabil le hack, ça sera sur la chaîne Actu YTB2. Donc le lien, il est en dessous dans le petit i, mais aussi dans la description et dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Il y aura le lien bleu. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur les explications. Et voilà, donc là je poste juste la vidéo qui est inédite. Voilà. Voilà, pour ceux qui avaient suivi l'histoire en 2021, les vidéos sont encore sur cette chaîne en 2021, car l'amoureux, l'affaire de sorcellerie. Donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver aussi. Voilà, qu'ils ont été mis, on va dire, de côté, sous scellés pendant quelques années. Voilà, et Nabila estime que Carla, elle a rompu le contrat. Voilà, donc il les ressort, ces pièces-là. Voilà, mais sinon, comme j'avais dit à l'époque, en 2021, subhanallah, vous pouvez vérifier en cherchant un peu dans les anciennes vidéos, que je disais qu'il y avait aussi de la sorcellerie pour des meufs, pour que leur mari ne aime plus ailleurs et qu'il n'ait plus d'envie ailleurs. Bon, si c'est psychologique comme ça va, on va dire, c'est moins pire. Mais comme j'ai de la famille qui est en médecine au Bled au Maroc, ils m'ont rapporté qu'il y a des empoisonnements médicamenteux, des produits détournés de leurs usages. Pour empêcher l'homme de l'avoir dur, on va dire, d'une manière, voilà, d'un langage soutenu, de l'avoir dur. Et il aura tout mou, selon le dosage qu'elle met, ça peut durer 8 heures, 10 heures, le temps qu'il travaille. Et quand il revient à la maison, tac, ça remarche. Ils sont en première ligne, les médecins, dans ces cas de. Parce que c'est aussi des produits qui provoquent des effets secondaires. Comme la somnolence. Tain, mais tant on a inventé des produits qui font qui font durcir. Mais à l'époque, avant cela, ça existait déjà, dans les années 80, 90. Maintenant, ils font des médicaments, des trucs pour empêcher, justement, pour la rendre tout mou, quoi.
C'est incroyable quand même. Je ne sais pas si elle a été jusqu'à là, je ne pense pas, parce que ça serait vraiment très grave. Parce que là, on rentre même plus dans le cadre, on rentre clairement dans un cadre de... Je ne dis pas qu'elle a fait ça, je ne dis pas qu'elle a fait ça, mais pour les femmes qui ont fait ça à leur mari, qui leur a mis dans le café, en plus le café c'est amer, tu sens pas trop, ou dans le thé qui est très très sucré, donc tu sens moins. Donc ça peut créer des somnolences, donc des accidents en voiture par exemple. Donc une baisse de régime au travail. Dire qu'il y a des gens qui s'en sont jamais rendus compte, qui se sont accoutumés justement à ça. Voilà. Donc c'est quand même que la sorcellerie, ça peut amener à des dérives très graves, comme on va voir dans le reportage de Nabil Flix. Ça peut même ramener jusqu'au meurtre d'enfants. Donc ça, sachez-le, quand vous payez un sorcier, une sorcière, surtout Bled, se cache peut-être vous financer indirectement quelqu'un qui va faire des sacrifices d'enfants Zohari, Zama, pour trouver des trésors, des trucs comme ça, des trucs de fou. Pour moi, c'est ça la morale de l'histoire. Voilà, donc là, il y a une nouvelle preuve. Il y a de nouvelles preuves qui vont peut-être sortir prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à cette chaîne, à cette réaction, qui est moins active qu'avant, bien sûr, mais aussi à la chaîne principale actuellement, c'est Actu YTB2. Voilà, le lien, il est dans le petit i, dans la description et dans le commentaire. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Réaction. Voilà, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.